en toi, Seigneur. De coups, torturé par des hommes ayant de la haine,
torturé par des hommes ayant de l'amertume, torturé par les hommes ayant de l'amertume, torturé par les hommes ayant de la rancœur. La rancœur dans le cœur parce qu'ils pensent que l'homme devant eux voulait finir avec leur vie, pensant que l'homme devant eux voulait les torturer, flageller, briser. Un homme qui ne demandait qu'une seule chose, venir sauver l'humanité. Un homme qui a laissé sa gloire, qui est descendu en bas, juste pour toi, juste pour moi. L'homme qui n'a pas regardé à sa grandeur, mais qui voulait toucher à mon cœur. L'homme qui a laissé la force, les anges, toute sa gloire, tout ce qui pouvait l'accompagner, mais a décidé d'être humain juste pour toi et moi. L'homme qui n'a pas eu peur, même lorsqu'on lui a demandé de porter sa propre croix. L'homme qui, à Gethsémané, a décidé de se donner et qui avait peur de prendre cette coupe, mais malgré tout, il a subi les coups et a choisi de faire la volonté du Dieu qui est très haut. Cet amour, cette force, cette paix arrive jusqu'à moi et elle arrive aussi jusqu'à toi aujourd'hui. Donc prends juste ta main, tends ta main vers le roi de gloire et il te donnera la paix, et il te donnera la force, il te donnera l'amour dont tu as besoin. Cet amour vient jusqu'à toi, reçois-le dans le nom de Jésus. Oh,
allait t'offrir une fleur, je t'offrirai un orchidée. Perdu le Dieu qui a pour moi payé le prix. Comment le faire, comment ne pas te parler, père. J'ai pris mes cahiers, je les ai mis de côté. Je viens devant toi, père, te parler cœur à cœur, papa. Car c'est toi qui as accepté prier le prix pour moi, papa. Comment ne pas t'élever, comment ne pas célébrer. Comment ne pas te bénir, toi qui as payé le prix. Ta parole déclare que tu as enlevé ton trône. Ta parole déclare que tu as déposé ta couronne. Tu as laissé ton trône et t'es venu, père, sur la terre. Pour que je vive, père, t'as renoncé à ta gloire. Tu es allé à la croix et tu as versé tout ton sang. Et c'est par ce sang que, père, je peux être sauvé. Un jour tu m'as appelé, tu m'as présenté l'évangile. Et maintenant je vis, je peux m'appeler chrétien. Comment ne pas t'élever, Jésus Christ mon roi. Comment ne pas te célébrer, oui toi mon roi. Je veux le dire père, tellement tu m'as aimé. Ton amour m'a grandi, ton amour m'a choisi. Ton amour m'a localisé dans le monde. Tu m'as sauvé, ô mon roi. Maintenant je peux prier. Maintenant je peux parler. Maintenant je peux bien exprimer. Et dire haut et fort que tu m'as aimé. Que ton nom soit célébré, Jésus. Merci pour ton amour infini, Seigneur Jésus. C'est pourquoi à cause de cet amour, tu t'es donné. À cause de cet amour, tu t'es livré. Afin que nous puissions aujourd'hui crier aussi Hosanna au plus haut des cieux. Un sujet de plus pour te dire merci, Seigneur. Pour relever vers toi des actions de grâce, des acclamations, des cris de joie. Pour celui qui vit à jamais. You've done so much for me, I cannot tell it all. It still will be enough. Oh, j'aimerais le redire encore. You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still will be enough. When you heal completely. When you heal completely.
What shall I render? What should I render? To Jehovah. For he has done. For he has done so very much for me. What shall I render? To Jehovah. Jehovah. For he has done. For he has done so very much for me. Oh, nara, 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 thank you, Jesus. Nara, 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 what shall I render to Jehovah?